Le rêve du copain fantôme. L'autre nuit, j'ai rêvé que je voyais des fantômes. Je me suis dit, non, ce n'est qu'un rêve ou la vraie vie? Non, ce doit être un rêve. Je me suis réveillée et je me suis dit, ouf, ce n'est qu'un rêve. Plus jamais je ne voudrais me rendormir. Quelques minutes plus tard, je sombrais à nouveau et me dis alors, voilà le vrai rêve. Où est mon copain Damien? Me demandai-je. Ah, le voilà. Salut mon doudou. Comment ça va? Je vais bien, me répondit-il. Et toi? Je vais bien, merci. Je peux venir chez toi? Avec plaisir. Malheureusement, Damien marchait trop vite et je me suis plainte qu'il ne m'attendait pas. Damien finit par m'attendre en haut de l'escalier et m'a dit de monter. Je fus obligée de ramper pour le rejoindre parce que le plafond commença à s'abaisser inexorablement. Et soudain, je m'écriai effrayée. Ah! Un démon. Fiche-moi la paix ou je vais te pulvériser avec mes pouvoirs, lui dis-je. Pendant ce temps, j'appelais Damien à l'aide et lui demandai de le tuer. Je n'ai pas le pouvoir de les tuer, répondit-il, je suis un fantôme. Mais alors, qu'as-tu comme pouvoir, Damien, lui dis-je. Le pouvoir de guérir les gens. Cool. Et Damien reprit, mais alors, tu as le pouvoir de voir les fantômes. Oui, lui répondis-je. Et je lui demandai si son appartement était encore loin. On arrive, me dit-il. Voilà, c'est là. Je lui dis que je trouvais son appartement très grand et très propre. Et lui demandai depuis quand il y vivait. Ça fait au moins un an que je suis dedans. Et là, je me suis réveillée et me suis dit, ah, comme j'ai bien dormi. Élodie Perard, Adapem, Bar-le-Duc.